Je suis Fabrice Kofi, cofondateur et CEO de Keiwa. Keiwa, c'est une application mobile, maintenant web aussi, qui permet aux TPE et PME de pouvoir gérer leur comptabilité en toute simplicité. En Côte d'Ivoire, vous avez un secteur informel qui emploie plus de 90% de la main-d'œuvre disponible. Quand vous avez un secteur informel qui est quasiment une autre économie parallèle, il faut agir. Ce qui fait peur dans le secteur informel, c'est de ne pas avoir de traçabilité sur les activités. On ne peut pas faire de plan, on ne peut pas faire de projection sur des activités qui n'ont aucune traçabilité. Je m'appelle Elodie Godebo, je suis chef d'entreprise. Et ce que je dirige comme entreprise, on appelle Grace and Happiness. En français, ça veut dire grâce et bonheur. Nous nous considérons ou nous nous constituons en porte d'entrée. Donc, jeter de la lumière sur ces activités-là, créer de la traçabilité pour ensuite les emmener petit à petit vers le système financier classique, en créant de nouveaux produits, de financement, d'accès au marché, etc., etc. La solution de Keiwa vient répondre à cette problématique de créer de la traçabilité, de créer en fait de l'historique, de permettre à ces acteurs informels de pouvoir montrer au mieux leur entreprise en fait pour accéder à du financement à terme. Keiwa m'a apporté de l'ordre dans mes affaires, dans mes chiffres d'affaires. Maintenant, partout où je me trouve, il me suffit juste de renseigner mon application pour avoir les chiffres du jour et de loin. Je note simplement ce que j'ai eu comme recette, comme vente, comme stock. Ce que nous a permis également le fonds d'amorçage, c'est de pouvoir tenir le coup pendant le déploiement de notre stratégie. Nous sommes sur un marché qui nécessite vraiment une période de formation, d'accompagnement qui peut ne pas forcément être rentable pour l'entreprise, mais qui est nécessaire. Donc cette période-là, le fonds Digital Africa nous a permis de vraiment passer ce moment et aujourd'hui, on y est presque. Aujourd'hui, nous comptons plus de 2000 utilisateurs sur la plateforme, mais nous voulons en obtenir 10 000 d'ici les 3 prochaines années. Pour nous, en fait, en tant que fonds d'investissement, des initiatives comme Digital Africa viennent répondre à un besoin en fait, de marché parce que nous avons une stratégie d'investissement qui, certes, peut adresser le digital, mais n'est pas totalement outillé pour le faire. Donc, avoir un dispositif d'amorçage qui permet en fait de réduire le risque en approchant ce secteur sur lequel on ne doute pas du potentiel de développement est pour nous en fait une réponse en fait pour favoriser l'investissement dans l'innovation en Afrique. Donc, en ce sens, Digital Africa répond à un besoin de marché en fait pour les investisseurs que nous sommes.